Gare de Lyon, il est beaucoup trop tôt, mais tout le monde est arrivé, tout le monde est dans le TGV. Nous partons pour les sommets du digital et vous venez avec moi, c'est parti. On y va! Nous nous sommes levés très tôt ce matin pour venir ici à la Clusaz, retrouver tous les participants de la 5e édition des Sommets du Digital. Tout est en place. Laurent, deuxième édition ici à la Clusaz, première journée, ça démarre hyper fort. Ça démarre comme ça a fini la dernière, j'ai envie de dire. Effectivement, bon tempo, plein de sujets, super intéressant, des débats, des conversations. Je crois que cette année, c'est aussi la conversation, je crois. Clairement. C'est passionnant et puis on sent qu'il y a vraiment un fil directeur, quoi. Une prise de conscience, une envie d'engagement, on parle beaucoup de sens. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette première journée, en deux mots? En deux mots, très inspirant. Alors Nicolas de la grande maison AFP, comment tu as trouvé cette première journée? J'ai adoré cette première journée parce que au-delà des cartes de visite, au-delà des titres ronflants, c'est qui es-tu, pourquoi tu te lèves, quelles sont les valeurs qui t'animent et comment tu partages ces valeurs, comment tu les mets en œuvre au quotidien. André, deuxième année ici de suite au sommet du digital. Je ne suis pas André Manoukian, malgré cette apparence. Hein, quand même, je suis un peu moins arménien. André, je t'embrasse. Luc, alors l'expérience des sommets du digital, Luc? Jusqu'ici, tout va bien. Franchement, je suis agréablement surpris, dans le sens où je trouve que éditorialement, vous tenez le propos. Les gens sont sympas. C'est pas trop verbeux, on se prend pas trop au sérieux. Donc, j'aime assez l'ambiance. Première expérience, c'est exceptionnel. Et je dis pas ça pour te flatter, j'ai trouvé ça expert et sensible à la fois.